Et yo les petits potes, c'est pour faire un petit aparté avant la vidéo. Il y a 85% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fera plaisir pour le travail qui est fourni sur cette chaîne et sur la chaîne de la DG Team. Et n'oubliez pas qu'on recrute toujours la corporation de la DG Team, on recrute toujours les recrutements sont toujours open, que vous soyez nouveau, ancien, ou avec des amis, n'hésitez pas à venir, voilà. On recrute toujours et on a de gros projets pour la DG Team, donc ceux qui veulent faire partie de notre aventure au sein de Star Citizen, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, sur ce les amis, très bonne vidéo à vous. Et n'oubliez pas mon lien de parrainage dans la description pour tous les nouveaux comptes sur Star Citizen. Allez, bonne vidéo à vous. Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Donc une vidéo assez particulière parce que là c'est juste après la mise à jour de la 3.22.1. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je suis, on peut le dire, cul nu, juste ça sur moi. Donc c'est pas pour rien que j'ai juste ça sur moi. C'est le stuff normalement de base, hein, moi j'ai spawn avec ce stuff là. Donc... si pour ceux qui ont compris, je vais vous faire un nouveau guide du débutant. Donc, il y en aura un certainement à toutes les versions. Ça va peut-être varier selon les métiers qu'on fera. Après, pour moi, il n'y a qu'un seul métier qui en vaut le coup dès le départ à en finir très rapidement. Surtout si on n'a pas beaucoup de vaisseaux. Mais je vais quand même vous montrer là où on va acheter les armes et ce qu'il faut pour commencer. Donc là, vous allez dans Galerie. Donc là, je suis sur Everis Arbor. Attention, parce que je vais même commencer avec un starter pack. Je vais faire tout correctement pour vous montrer que tout est possible, même avec un petit truc. Donc là, voilà, vous êtes là. Donc vous voyez, c'est là où vous pouvez acheter vos armes. Donc là... c'est bien ce qui me semblait, c'est un joueur. Donc là, vous pouvez acheter vos armes, vos armures. Donc moi, je vous conseille d'acheter juste armes. Voilà, enfin même ça. Normalement, c'est offert de base, mais je vous montre quand même où venir prendre. Donc vous avez les panneaux de contrôle. Donc, à savoir que c'est quasiment la même chose que je vous avais fait montrer dans une vidéo que j'avais quand j'avais appris les vidéos sur Star Citizen. Donc ça, elle date un peu, mais pour moi elle est un peu d'actualité, mais ça change un peu selon les endroits. Parce que là par exemple, on sait très bien, tout le monde sait qu'à Hearthstone, tous les bunkers sont buggés en ce moment. Donc c'est pour ça que je vais refaire la vidéo, mais en vous montrant qu'on peut aller ailleurs, hein, d'accord. C'est pas que sur Hearthstone. Donc là, on garde. Donc là, on reprend le même un véhicule de base, hein, vraiment. Enfin, le vaisseau de base, le starter pack, donc le cutter. Moi, c'est mon cutter, c'est le vaisseau, mon starter pack. Avant, c'était l'Aurora, je l'ai upgrade pour le cutter. Donc, on va monter dans le cutter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'aller accepter une mission ou autre, on va se diriger vers tout simplement Microtech. Voilà. Pourquoi Microtech? Parce que comme je vous l'ai dit, les trois quarts des bunkers à Hearthstone sont buggés. Voilà. À savoir que si vous jouez en groupe, vous avez la possibilité de faire une mission que je ferai certainement dans un prochain tuto. Pour vous montrer, hop, comment en fait faire de l'argent à partir de rien dans Star Citizen. Donc il y aura juste l'investissement qui sera même pas de 10-15 000, donc ce sera pas grand chose, on va dire. Donc voilà, donc là on va se diriger vers Microtech et on se retrouve tout de suite dès qu'on est sur Microtech. Voilà, après c'est selon les envies, mais comme je vous ai dit, sur Hearthstone, à la limite, je peux vous en faire voir une sur Hearthstone, juste pour vous montrer que c'est bugué en 3.22 encore. Et ça se trouve, le jeu va me faire mentir et ce serait beau. Donc si c'est pas bugué. Non, c'est général. Donc on va en général. C'est mercenaire et... voilà, c'est cela. Donc éliminer les occupants, hop. Donc là, on la prend. Donc là, pas besoin de partager. Je suis tout seul in-game. Ce qu'on va devoir faire juste, c'est clear la route. Donc
Hop. Donc déjà, elle est pas sur Hearthstone. C'est déjà une très bonne chose. C'est sur Aberdeen. Donc bon, ça reste quand même dans la même... C'est la lune de Hearthstone, donc ça revient au même. Mais ce qu'on fait, c'est que... Et en plus, là, c'est une épreuve de Caterpillar. Donc en vrai, ça va être... Ça va être... C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Parfait. Bah franchement, ça tombe parfaitement bien. Parce que vous allez voir que là, vraiment, regardez, je vais vous montrer typiquement comment enchaîner ce genre de missions qui vont vous rapporter de l'argent. En fait, c'est pas plus simple que ça. Pas besoin de faire des ERT, des HRT, nanani. Donc là, vous voyez, l'endroit le plus près, c'est là. Donc on va, c'est HDMS. Donc on va Quantum sur HDMS. Et vous allez voir que vraiment, ce genre de mission, il n'y a rien de plus simple. Comme je vous dis, même là, à poil, j'aurais même pas besoin de tirer avec cette arme-là. Voilà, juste pour vous dire, vous allez vite comprendre. Normalement, donc c'est l'épave dans Caterpillar. Donc pour la vidéo, on en fera peut-être plusieurs, on va en faire deux, trois. Hein. C'est vraiment tellement que c'est rapide. Le plus long, c'est d'y aller. Hein. Vous allez voir. Tac. Donc là, c'est certainement le moment où je vous mettrai d'ailleurs un petit accéléré des familles. Parce que bon, 30 km avec ce vaisseau, c'est pas non plus de facile. Donc, les amis, donc là on est à 2000 mètres. Donc, hop, on va arriver sur zone. Voilà. Donc là, même moi, je vous conseille d'activer les vétoles. Voilà. Donc, vous appuyez sur la touche cœur de base, normalement. Voilà. Donc là, vous vous approchez assez près. Quand je vous dis vous vous approchez assez près, c'est. Hop, vous venez là. Donc, attendez, parce que. Ouais, le temps que ça se mette. Donc là, il y a trois ennemis. Là, n'oubliez pas, venez dans les missions mercenaires et prenez le appel aux armes. Ça vous fait 500 US gratuits par chaque kill. D'accord. Donc là, hop, on a... hostile, c'est plus... Donc là, voilà, il y en a 6 du coup. Donc là, vous voyez... Je crois qu'il y a un joueur pas très loin. Putain, pas très simple parce qu'il vise pas là où. Il vise pas là où on dit. Donc ça c'est chiant. Merde, j'essaie d'en passer à la souris vu que. Faut mourir, messieurs, au bout d'un moment. Je me fais lock, je sais pas pourquoi. Donc là, voilà. Objectif terminé. On a éliminé, donc on s'est fait... on a éliminé 6 personnes. Donc vous comptez, ça fait 3000 plus 15000. Voilà, c'est ça. Et c'est très rapide. What? Ah, mais c'est les flics! D'accord. Ils sont censés... Ok, d'accord. Bah voilà, petite nouveauté. Croyez-le ou non, je n'étais pas au courant que les flics venaient sur les zones comme ça pour les faire. Ok, donc voilà. Donc, alors... Donc là, vous voyez, il y en a une à 20 000 Hearthstone Dynamic. Donc, ça... Nombreuses activités légales, activités qui sont en sécurité. Donc, celle-là, je pourrais la prendre. Mais il me semble que c'est pas une épave. Voilà. Alors que. Faut faire attention parce que je vous ai dit en ce moment c'est buggé. En fait, faut pas prendre les
celle-ci là. Nettoyer les de l'installation. Faut pas le faire pour le moment parce que c'est elles sont buggées. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça vous verrez, mais c'est pas fun quoi. Donc, au pire, ce qu'on va faire, c'est que je vais la prendre. Et on se retrouve sur le site. Donc voilà les amis, donc vous voyez, vous entrez sur un territoire nanana mes couilles. Donc en fait, le truc c'est que là, si vous avancez trop, les tourelles vont, sont censées vous tirer dessus. Bon bah voilà, au moins, ça a été prouvé, elles ont commencé à mass-mat. Est-ce que là, ça sera bon? Non, là, il prend tarif. Faut vite que je m'arrache. Donc, ce genre de mission, c'est celle-ci. Donc, là. C'est pas pour ça que je vous dis qu'elles sont pas bien. Hein. Vous allez comprendre. C'est pas du tout pour ça. Hein, parce que pour ça, à la limite, voilà, vous vous posez à une peut-être moins d'un kilomètre. Déjà le vaisseau il a pris un petit peu cher mais c'est moi qui ai fait le con. Donc là vous voyez il y a 10 occupants il est fossile. Tac. Donc là vous allez prendre votre gun. Donc on va dire que pour le moment c'est faisable parce qu'il y a le côté où on n'a pas besoin de se. Trop ce stuff parce que les IA sont à chier, mais dans le futur, faudra avoir un minimum d'équipement. Vous pouvez rester au gun, après ça dépend si vous êtes bon ou pas, mais voilà. Il va falloir faire en sorte que vous ayez un minimum d'équipement, mais moi je tiendrai à jour tous mes tutoriels concernant ce plan du gameplay. Alors, faut que je retrouve parce que... Avec toutes les petites tours là bizarres... J'ai du mal à repérer le bunker. Il est là. Donc là, on voit le bunker là-bas. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire pareil, une petite ellipse, et on se retrouve devant. Donc, les amis, donc voilà, on se retrouve du coup devant le bunker. Donc, il y a 1 km entre mon vaisseau et le bunker. D'ailleurs, le vaisseau, j'aurais pu le mettre un tout petit peu plus proche, mais vu qu'il avait déjà pris des chocs, j'ai pas voulu le faire. Donc là, on a de la chance, vous voyez, on a de la chance que le. Hop. Le. L'ascenseur est là d'habitude, il est pas bien, il est pas là, quoi.
Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je parle le micro coupé. J'étais en train d'expliquer comme quoi il fallait que j'essaye d'équiper le stuff. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais juste oublié. Donc là, vous avez vu comme c'est important d'avoir une armure. Oh, putain, eux, ils ont des munitions comme ça. Équipé. Aller récupérer le... Donc je vois les trois dernières cibles. Donc là, ce qui est bien, une bonne nouvelle, c'est que les bunkers sont débuggés, on va dire. Hop. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai pas d'armes. Donc ce que je fais, c'est que je vais courir. Parce qu'il m'en reste deux, mais... Il est là-bas. Ouais, si je pars comme ça. Donc ça, vous pouvez pas le faire une fois que le jeu sera sorti. Hein. Ça, vraiment, c'est... Je le fais là, maintenant, j'en profite. Mais à l'avenir, dites-vous que c'est baisé, quoi. C'est pour ça que je vous dis que je mettrai à jour aussi tous les petits tutos que je vais faire. Hop. Donc là, on s'équipe, hein. On prend les stuff des mecs. Les trucs pour ce heal. Donc là, on a deux armes, de toute façon. Il y a celle-là et la P4R. Mais par contre, je comprends pas pourquoi. Il veut pas charger. SC54, c'est pas celle-là que j'ai, la S5. Ça me paraît bizarre. D'accord. Hop. Voilà. Et du coup, c'est quoi ça? Bah, si ça l'est, pourquoi? Ah, mais ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a toujours pas le petit système où, vous savez, directement, ça va chercher dans le stuff. Hop. Donc là, je peux en profiter, fouiller. Merde, là, vous voyez, j'ai fait une connerie. Donc... Lâche-moi, s'il te plaît. Voilà. Fouiller. Y a pas... Vraiment, y a pas que ça comme munition, quand même. Oh non. Non, c'est comme ça que vous allez faire du stuff. Déjà, on a eu, comme je vous l'ai dit, on a eu de la chance. Le fait que le bunker soit pas bugué, bon, assez chiant à venir, mais voilà, vous faites une petite armure tranquille, sans besoin de pouvoir payer les 110 000, même si vous le voulez, hop, vous pouvez mettre, voilà bah, tout simplement, voilà, pas besoin d'aller plus loin, je crois, des snipers, bon, après, là, je vais pas les prendre, parce que mon but, c'est de vous montrer comment se faire du stuff. Et comment faire des AUEC. Donc comme vous avez pu voir, et même tout à l'heure là, quand on était sur la l'épave du Caterpillar, on aurait pu très bien descendre et voler le stuff des mecs, hein, à savoir que
vu que la zone était safe. Juste attention parce que quelques minutes, enfin quelques minutes, vous avez le temps, mais normalement quelques minutes après que vous ayez détruit les mecs sur place, il y a un queue de place black qui débarque avec du renfort en gros. Ça, vous voyez, petite caisse comme ça, faut fouiller dans tout le truc. Ça, moi, je prends juste les medpen et un petit pistolet. Pour le reste, pour l'instant, ça m'intéresse pas des masses. Mon but, c'est de me faire maximum d'argent en très peu de temps. Voilà, on fouille tout ce qui pourrait nous intéresser. Apparemment, cette caisse, elle a bugué. Draco. Cette caisse elle est buggée, c'est pas grave. Bon bah. Hop. Hop, hop. Les munitions de P4AR. Donc faites pas comme moi rentrer dans l'ascenseur parce que on sait jamais. Avec un petit bug, ça passe crème. Donc. Là, faut trouver le dernier survivant. Après, il me semble que c'est des civils. Mais par contre, le dernier survivant n'est. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est encore buggé, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est dommage. C'est dommage, dommage. Pour moi qui pensais qu'ils avaient. Me dis pas qu'il serait buggé par exemple. Est-ce que ça serait pas ça? Je reviens vers vous dès que j'ai trouvé la petite solution. S'il y en a une, bien entendu. Bon, bon, les amis, c'est bon, c'est réglé. En fait, il était juste là. En fait, il avait. Je sais pas s'il avait buggé ou quoi, mais en gros, voilà, il était resté là. Donc, voilà. 20 500 UEC, donc c'est encore mieux. Et attention, parce qu'il y a les civils que vous croisez là. On les voit plus, mais le mec là-bas, par exemple, c'est un civil. Ne les butez pas ou vous perdez la répute, il me semble, c'est dans le genre. Donc, ne les butez pas. Donc, une fois que c'est fait, donc la mission est faite, donc là on va devoir quitter la zone. Hop, vous allez dans Mercenary. Et là, vous en avez d'autres qui spawnent. Donc là, c'est encore les installations. C'est l'installation. Installation. Balise installation. Donc, et 30 000 $, ça c'est pas bon à prendre. Allez, on va essayer de se la faire. Avec le peu de munitions qu'il nous reste. Il nous reste 2 balles. Même pas. 0 balles, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rediriger vers mon vaisseau. Et on va se diriger vers la prochaine mission. Voilà. Alors les amis, je reviens juste 2 secondes pour vous écouter ces bruits. C'est un roux à mettre la chair de poule, hein. Donc les amis, donc nous voici la qui pleure sur Hearthstone. Donc c'est le truc où faut éliminer les occupants illégaux. Et donc comme vous pouvez le voir, il faut en éliminer 9. Donc faites ultra méga attention aux civils. Parce que
coup là-dedans, il y a du civil. Et c'est pareil. Hein. Je voulais vous montrer aussi un peu les dégâts qu'on a pris là. C'est pour ça où. Faites très attention aux tourelles, hein, parce que regardez l'état du vaisseau. À l'arrière, il a pris un petit peu de dégâts. Bon, c'est pas rien de bien méchant, mais faites quand même attention à ça. Donc là, il me semble que ça va être un peu plus chaud, parce qu'il me semble qu'il y a des mecs basés. Donc là, je cours comme un dératé, mais... Ce qu'il faut pas faire. Ah non, mais ça, c'est un joueur, d'accord. Voilà, vous voyez, bon là c'était un joueur, on n'a pas eu de chat, mais bon, c'est pas grave, on va y retourner avec le cutter une fois que je l'aurai, j'aurai Clem. Vous inquiétez pas, je vais y retourner à Walp. Et rien de bien méchant. Donc nous revoici sur les lieux du crime. Donc là on vient d'avoir objectif terminé, éliminer toutes les raisons qui prennent l'ego, donc... Forcément, on les a tous tués parce que l'autre les a tués à notre place, quoi. Mais si on pourrait essayer de récupérer notre stuff, ça serait une bonne chose. Surtout que le ref, il est là au milieu, on l'a vu, non? Oui, il est là, il est là. Donc là, notre... Donc là, regardez, ça c'est typiquement le genre de pétasse qu'on peut trouver sur Star Citizen. Pourquoi? Bah je vous explique, j'étais en train de le buter, hein, clairement, et ce qu'il a fait ce monsieur, c'est pour éviter de se faire buter, bah il a sauté dans l'eau, voilà, tout simplement. Donc, nous revoici ici. Donc, je vous explique rapidement ce qui s'est passé, hein, pour être franc avec vous. En voulant écrire un petit message d'amour dans le chat, j'ai éteint mes moteurs sans le vouloir. Parce que j'ai fait 12 entrées, sauf que ça n'a pas comptabilisé, donc quand j'ai appuyé sur U, en écrivant un petit message d'amour, et bah ça l'a complètement... Ça a éteint mon truc. Donc en fait, oui, le mec qu'on a tué, oui, et en fait il s'est clairement suicidé, hein. Donc je sais pas s'il a pris mon stuff ou pas, mais il a l'air de l'avoir emporté en tout cas. Ouais, il a l'air de l'avoir pris. Ou alors peut-être qu'avec les réacteurs du... du machin, c'est parti tout seul. Je suis à deux doigts de me tuer un PNJ là, ça me ferait un crime stat. Mais je crois bien que, ouais, il est tombé. Il y a même plus un cadavre en fait depuis tout à l'heure, de ce qu'il y a eu tout à l'heure. Tac, donc de toute façon, je vais vous couper le moment où je me suis crash. Enfin, je me suis pété parce que c'est pas très utile, mais c'est surtout pour que vous.
la vidéo ne dure pas 10 plombes. Du coup, je vais juste essayer de vite fait de buter l'autre là avec la MRT3. Sans me faire aggro par les autres. Si je me fais aggro, tant pis, au moins vous le saurez. Mais j'aimerais bien. Voilà. Récupérer son stuff. Personne ne m'a vu en plus. Voilà, bon. Au moins, c'est réglé. J'ai récupéré un full stuff gratuitement. Voilà. Au moins, j'ai ma petite armure T3. On se met bien. Donc, de toute façon, là, on va arrêter la vidéo. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue pour un guide du débutant, mais voilà, fallait vous faire voir un peu les trois facettes des bunkers qu'il y a, qui pourraient vous rapporter gros comme métier débutant, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ce genre de vidéo, soit avec d'autres vaisseaux, soit même avec d'autres métiers qui pourraient être intéressants, par exemple comment bien commencer en minage. Donc là, vous voyez. On n'a pas loin de faire 100 000 AUEC, pas loin. Peut-être pas 100 000, on a fait combien? 30 30 et 20 plus 15. On est sur du 65 000 en même pas 45 minutes. Allez, une heure avec le petit souci qu'on a eu avec le monsieur ici. Mais en soi, ça a été assez rapide et assez, assez fructueux, on va dire, en termes d'AUEC. Alors, 1000 bémol, comme je l'ai dit, avec le pirate qui était juste ici. Mais voilà, c'est un bon départ. Et puis, bah, je vous ferai d'autres vidéos dans ce style. Par exemple, comment ça vous servira à acheter le vaisseau de minage ou le vaisseau de salvage. Enfin, bref, voilà, ça vous servira à pas mal de choses. Donc, les amis, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes 85% des personnes à regarder la vidéo à ne pas être abonné. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Profitez-en pendant que ça l'est encore. Bon, de mon côté, ça le restera toujours, mais. Profitez-en, s'il vous plaît, moi ça me fera plaisir pour mon travail. Et n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.